Voici 100 couches de papier bulle. Et aujourd'hui, nous allons devoir s'échapper de ces 100 couches de papier bulle en utilisant différentes armes. On commence avec la première arme, une cuillère de plastique. Ok, t'as perdu ton arme. Et j'ai oublié de vous dire, nous avons une heure pour nous échapper des 100 couches de papier bulle. Est-ce que selon vous, je peux m'échapper avec une cuillère de plastique? Je vais essayer de faire un trou, une brèche. Oups. On passe à la prochaine arme. Pour la prochaine arme, voici une ventouse. Je pense qu'on peut réussir, attends. Okay. On peut peut-être escalader le mur. Oh non. Oups, ça c'est le décor. Oh, attends, le bout, peut-être avec le bout. Ah, j'ai fait un trou. Laissez-moi sortir. Oh! Merci, oui, pour ces armes de qualité. Ah, oh, j'ai chaud. On passe à la prochaine arme. Voici la troisième arme, l'épée en mousse. Trop de puissance. Mon collègue n'a plus son arme. Merci, oui, de nous fournir des armes de si bonne qualité. Ça fait plaisir. Attends, mais j'ai encore la lame. La lame. Je pourrais même pas se couper une tranche de pain. On passe à la prochaine arme. Voici le marteau. Et c'est parti. Attention, attention, attention. Oh! Oh! C'est... Oh oui, attendez, mais je pense qu'on est vraiment en train de s'échapper. Attends, attendez un peu. Il faut essayer une technique. Attends. Peut-être avec le bout ici. Oui, quel amateur. Vas-y, professionnel. Oh! Oh! Hein? On commence à être profond. Oh wow. Attends, mais les marteaux, ça marche bien. Oh. Mais je pense qu'on va réussir à s'échapper. Je suis pris dans le papier bulle. Oui, oui, oui. On est à 3 cm. C'est déchiré. Ah, oh, c'est déchiré, oui. C'est réussi. On est en train de s'évader. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 couches sur 100. Il reste encore 95 couches à briser. Prochaine arme. Est-ce que selon vous, on va réussir à s'échapper avec une pagaie? Et il rame, puis il pagaie l'autre Alors, côté. Je pense que j'ai compris la technique. Oui. On doit pagayer dans le mur. Alors, on pagaie le mur. Voici comment on fait. Tutoriel sur comment pagayer un mur. Je suis un professionnel du canot. Mais pour une fois, c'est vrai. Hé, hey, mais ça marche bien. Hé, hey, regarde, ça marche bien. Ça fait un bon travail. Waouh. Oh, waouh. Ah, ben oui, ça l'avance. Oui. C'est vrai. Je te remets cette pagaie à ton tour. Quoi? Il n'est pas un professionnel, d'accord? Très nul. Très, très nul. Je m'attendais à ce que ce soit plus facile. Ouais, non, c'est dur. C'est dur, le papier bulle. Oh! Ah, ah, j'ai vraiment chaud. Ah! Et c'est ma fessée! Non, 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 non. Nous avons décidé de prendre une pause et de s'amuser avec le papier bulle. Ah, j'ai vraiment chaud. Bon, on continue. Pour nous aider, nous avons droit à des ciseaux. C'est la première arme qui, je pense, va nous aider à nous échapper. Ouch. Allez. Attends, mais c'est dur. Mais c'est plus dur que je le pensais. Mais c'est solide, le papier bulle. C'est vrai, je suis surpris. C'est solide. Ah. Oh. Oh, on a fait un gros trou là. Faut traverser. Wow. On doit faire un trou assez gros pour pouvoir s'enfuir. Il faut qu'on passe à l'intérieur du trou. C'est dur. Quand il y en a trop épais, il veut plus fermer. Ouais, ça coupe très très mal. Il reste combien de temps, Will? Il reste 30 minutes. Mais par contre, ici, on a quand même un beau trou pour pouvoir s'enfuir, tu vois. Mais non, on commence à être creux par contre. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oh, mais c'est le trou de la liberté. Un portail dans le monde. Vas-y, gars, tiens. Okay, tiens, allez, vas-y. Ok, c'est de la triche, là, on arrête. Prochaine arme. Voici votre prochaine arme. Un bat de baseball. Vous avez le droit à 5 coups chacun. Oh. Est-ce que tu es bon au baseball? T'as le droit à 5 coups seulement. C'est quoi la pause qu'il faut avoir? Je sais pas. Le bassin sorti. Oh, mais peut-être que la technique du golf marche. Oh! Deuxième coup. Si, c'est la bonne. Oh,
5! T'as fait du progrès! Oui, il y a du progrès! La maison va s'effondrer avec... Je crois que s'il y avait un tremblement de terre, ce serait la seule chose qui resterait. Tous les murs seraient à terre, mais celui-là serait encore debout. Ok, attention! Oh. Tout se joue dans les cuisses. Transfert de poids. Transfert de... 1! 2! 3! 4! Pour le cinquième coup, je vais essayer une technique différente. Je suis un professionnel de tout, comme vous le savez. Attention! Bon, ben clairement, ça n'a pas fonctionné. Malgré mon cri de support, le mur est toujours intact. Ok, il vous reste 20 minutes. Prochaine arme! On a besoin de la prochaine arme! Fermez vos yeux. Okay. Fermez vos yeux. Êtes-vous prêt pour la prochaine arme? Oui! Dévoilement de la prochaine arme. Quoi? Des boîtes de pizza. Des boîtes de pizza? Salvatore! Mais comment est-ce qu'on est supposé de s'échapper avec des boîtes de pizza? Il faut trouver un moyen. Mais si on construit un... Une bombe! Si on construit une arme, si on bricole un couteau. Oui! Ok, il faudrait qu'on construise une arme avec les boîtes de pizza. Et on va déjà l'ouvrir. Comment on peut faire une arme? Attends, mais ça c'est comme une genre de scie? C'est comme une scie? Ah, ben oui, attends! Comme ça? Oh! Oh oui! Oui, ça fonctionne! Oh, wow, le trou s'agrandit! On peut s'en servir comme pour tenir les parois, pour continuer à creuser. Attendez, ok. Là, au moins, ça tient et ça permet de conserver les progrès. Wow! Oh! Ça, c'est le trou pour le moment. Ah, mais là, faudra faire plus de progrès parce que pour l'instant, nous sommes toujours emprisonnés. J'espère qu'on va réussir à s'enfuir. On va passer à la prochaine arme. Nous sommes rendus à la perceuse. Mais vous aurez seulement 10 secondes pour utiliser cette arme. Ok, mais c'est qui entre moi et toi qui va? Tu veux le faire, Will? Bon, je vais le faire, ouais. Je vais essayer de transpercer les 100 couches de papier bulle avec la perceuse. Ah, allez, c'est l'opportunité. 1, 2, 3, c'est parti! Oh! Oh non! Ah, t'es pris? Oh! Oui! Oh non! 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 5! Oh, 10 secondes! Non! Mais t'as rien fait? Non! Oui, dead! La perceuse est un échec total. On réussira jamais à s'enfuir. Bon, prochaine arme. Êtes-vous prêt pour votre prochaine arme? Oui! Oh! Une scie! Magnifique arme. Wow! Soyez prudent. Pour vrai, je pense qu'on va réussir à s'échapper avec la scie. Pour percer, ça va être difficile. Ouais. Mais pour agrandir le trou... Ok. On va couper ici. Oh, oui, ça va bien. Allez. Allez. Oh, mais ça va bien. Comme je t'ai dit, pour transpercer, ça ira pas très loin. Mais on peut agrandir un peu le trou. Le trou doit être assez gros pour qu'on puisse passer dedans et s'enfuir. Oh. Ah. Oh, mais ça va bien. Ah oui. Est-ce que tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Pour agrandir le trou. Oh! 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 Ah oui, coupe ici, oui. Ok. Ok, parfait, laissez le mal, parfait, c'est super. Essaye de couper ici. Ça? Oui. Mais je vous dis, le papier bulle, c'est vraiment solide. C'est plus solide que je le pensais. Je croyais vraiment qu'on allait s'échapper beaucoup plus rapidement. Oh! Oh! On commence à voir la lumière de l'autre côté. La force est brute. Ça, c'est... Oh, on est vraiment bien. Je pense que je vais rester ici, moi, pour toute la journée. Je travaille tout seul. Ok. Bouge pas. Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à adorer le bruit du papier bulle. Ah, c'est tellement satisfaisant. On devrait construire des maisons papier bulle. Êtes-vous prêt pour votre prochaine arme? Oui, mais là, on a besoin d'une arme qui va nous aider à nous échapper. Ah ben, j'ai trouvé. Une flûte. C'est une blague. Soyez créatif. Elle est bleue. Il faut que tu te serres de ta tête. On commence à voir le gazon de l'autre côté. Oui, on commence à voir la sortie. Les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de réfléchir comment allons-nous utiliser la flûte pour nous échapper. Non. À mon signal. On reprend. On veut la prochaine arme. Un sifflet. Alors la prochaine arme sera la meilleure jusqu'à maintenant. Oh! Une hache. Oh wow. Soyez prudent. Comme vous savez, moi je suis un bûcheron. Un vrai Canadien. Fais honneur aux Canadiens. Bon. Mais vous aurez droit à un coup chaque. Je suis un professionnel, donc j'ai confiance.
Ah! Oh! On arrive! Mais là... Ok, le trou est quand même gros! Je peux voir la liberté! On aurait besoin de la dernière arme! La dernière arme qu'on aura droit pour s'échapper de cette prison de papy bulle est la cire chaîne. Ça devrait être la bonne. La tronçonneuse! Alors évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Attends! C'est au tour de Evan! Wouhou! Yeah! Oh wow! Nous avons réussi à nous échapper des 100 couches de papier bulle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Peace out!